Et salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. C'est parti, on va ouvrir cette porte. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Double jeu. La facture d'un garage. Pale Horse Rides. Eh bon, ça fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre? Or, si on fait pivoter, on trouve rien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ici. Ils sont des bases aux quatre coins de la ville. Oh là là, des collectibles encore! Oh là là, collectibles de base où on va... Oh là là, terminer des bases hein, dans la ville pour gagner des jetons de base. Mais tu gagnes des jetons de tout, quoi. C'est tout ce que j'aime pas, ça. Vous pouvez filtrer n'importe quelle icône de la carte. Accessible avec la touche triangle, d'accord. Ah ouais, d'accord, on peut filtrer mon appartement, Octavius Industries. Ok. C'est pire que ce que je pensais. Ouais, c'est pire. Les démons disposent carrément d'une armée. Encore. Boss, boss, boss. Comme si un seul fouet mortel suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais. Putain, je l'ai niqué. Oh, comme ils arrivent de partout. Hé, hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé les... Non. Mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Balance Ride. Oh là là. Oh là là. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Ok, bien joué. Il y a un mec qui a une arme là-bas. Oh là là. Cassage de nuque. Oh là là, comme je me suis fait défoncer. Oh là, je me suis fait défoncer. On va essayer de recharger la santé. Fait chier eux. Oh là. Ah, mais esquivez tout en plus. Je vais lui tenter la toile de choc. Ah putain, toile électrique, y a rien qui marche. On est bon ou pas? Oui, on est bon. Eh ben dis donc. Oh là là, mais c'est quoi ça? Les casquets qui arrivent. Comme dans tous les jeux, il y a des casquets maintenant. C'est nouveau ça. Non, 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 celui-là est pour moi. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hey, c'est pas comme ça qu'on fait. Ils font partie de la société Oscorp. Code SM1. Wow, wow. Et avant de commencer, on pourrait se présenter. Code SM1. Code SM1. Nous attendons les ordres. Reçu code SM1, visuel confirmé. Attendez Silverbird. C'est qui elle? Ah putain, j'ai déjà vu dans Ultimate Spider-Man.
Sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Silver. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Ah bah c'est très bien. Allez, il y a un petit sac dans le coin là. Hey, on va aller le récupérer. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous n'êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Eh oui, Silver, bien sûr. Merci. J'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ah. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre Fist, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à May de ma part. Attends, tu penses pas qu'elle est en danger quand même ? Non ! Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborn. Alors je suis où là? Je suis ici, il n'y a rien à faire. Allez, on va aller sur ce sac là. On va voir ça. On va essayer de farmer un petit peu là. Alors voyons voir le sac. Équipe de sable ici centrale, quelle est la situation sur Nolita? Transport Oscar sous les tirs. Mais c'est quoi ça? Ce sont les gants isolants que j'avais utilisés pour mon premier combat contre Electro. Et c'est après ça que j'ai fait isoler ma combinaison. Pour le coup, c'était pas du luxe. Ah ouais, carrément. Ensuite, oh, on dirait qu'il y a un crime ici. On va y aller de suite. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours. Pour les jetons de crime. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails... Je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du champ passif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Oh là là. Et des fois, le timing, il est chaud pour esquiver. Oh là là, mais c'est quoi ça? Croco. Ah ouais, d'accord, il m'aide en fait. Heureusement que j'étais là. Les démons. C'est la milice à Silver, ça. Agent de sable. Mais je me sens un peu obligé d'intervenir dans ces cas-là. Eh ben dis donc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a un peu dans le coin? Allez, encore un petit sac ici. C'est où? À 200 mètres. Ah, un petit sac. Oh, c'est mignon. Une spider peluche. Un fabricant de jouets a créé ce prototype, mais pour ça, il faut que je lui cède les droits. Malheureusement, je peux pas être payé sans révéler mon identité. Ah bah oui, forcément. Je peux pas être payé sans révéler ton identité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Tiens, on va tenter rapidement, on va tenter les laboratoires pour avoir des jetons de recherche. Voyons voir à quoi ça ressemble ces trucs. Alors, c'est quoi exactement?
Alors, cette station qui surveille la qualité de l'air est bien plus précise que tous les instruments déjà en place. Si l'on déployait dans la ville entière, la qualité de vie ferait un bon géant. Ça sert à quoi si j'accepte ? Cette station est simple mais essentielle. Elle mesure les toxines dans l'air avec une précision bien supérieure à ce que c'est. D'accord, c'est Harry Osborne, le fils la du maire. La touche en premier les enfants et les personnes âgées. C'était important pour ma mère. Si j'en crois ces données, le taux de dioxyde de soufre est anormalement élevé. D'après mon intuition d'araignée, c'est sûrement dû à un problème de peau d'échappement. Avec des échantillons, je devrais pouvoir identifier le modèle en question. Ah ouais, d'accord. Ok, je suis assez bon. Ok, je... D'accord. Ouais, je risque ma santé, moi. D'accord, il doit se polluer l'esprit. Pas mal. Il doit se polluer les poumons pour être au courant du véhicule pollueur. Moi, je sentais bien mauvais. Ouais, je trouve ça un peu con comme mission, mais bon. C'est de l'annexe. Allez, encore quelques-uns. C'est bon. Encore un. Ça devrait être bon. Ne repasse, Spidey. Courage. Encore un. Ça y est. Ça a repéré quelque chose. Ok. Le véhicule est là. Nous avons apparemment non. Trois coupables. Trois coupables. Voyons voir. Ah, la photographie. Comme au bon vieux temps du Bugle. Tout était si simple à l'époque. Ah, il y aurait un véhicule ici. Ah ouais, l'appareil photo. Maintenir L2 pour utiliser l'appareil photo. D'accord, faut tous les prendre en photo en fait. Ah ouais, d'accord. Je vois pas vraiment l'intérêt de cette mission, mais bon. Ok, on va se mettre devant. Allez, c'est dans la boîte. Et le dernier, il est où? Il est là-bas, 400 mètres. Il est là-bas, 400 mètres. Ouais, c'est un peu yetch comme mission, ça, hein, quand même. En photo des véhicules pollueurs, franchement, Spider-Man... Et jamais 203. Et jamais 203. L'ordre de rappel devrait bientôt suivre. Merci l'araignée sympa et éco-responsable du quartier. Éco-responsable. Allez, on va aller voir si je peux... Ah, il se passe un truc. Ah ben non, ça me remet en mode mission en fait. Ok, allez, voyons voir si je peux améliorer les tenues. Donc, collection, jalon, personnage, d'accord. Putain, sans déconner. Mystère négative. Putain, c'est Martin Lee. Ensuite, on a Silver. Rio Morales, Miles Morales. On n'en connaît pas plus pour le moment. D'accord. Alors au niveau des tenues, compétences tenues, nouveau. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle tenue? Ah putain, mais ça c'est la tenue du film, je crois. C'est peut-être la tenue
de Captain America Civil War, peut-être. Elle est belle, celle-là aussi. Alors, elle s'appelle comment ? Voilà, c'est le costume de Stark, c'est ça. Comment je peux la fabriquer ? Il me faut des jetons de base, d'accord. Jetons de crime, j'en ai assez. Il me faut... Mais attends, j'ai assez ? Prérequis. Ah, je peux la fabriquer ! D'accord, ok. Celle-ci aussi, je peux la fabriquer. Ça, c'est le costume classique réparé. Costume avancé. Costume Spider-Man noir. C'est quoi ce délire de ce costume ? Scarlet Spider. Ça, c'est il faut réunir tous les trucs. Et celle-ci aussi, elle est cachée. Ok. Et ça, c'est la Spider Armure. Elle est bizarre quand même. Hein. Les, surtout au niveau des yeux. Qu'est-ce que je fais ? Je l'achète celle-là ou pas ? Alors, on va la mettre. Alors, c'est, elle a quoi comme pouvoir spécial ? Appelle un spider compagnon pour vous aider au combat. D'accord, ah oui, ça a envoyé un drone. Oui, oui, utilisez le menu de pouvoir. Ok. Et là, c'est quoi ? Augmente l'XP. D'accord. Je peux en rajouter d'autres. Mise au point auto. Réduit l'impact des grenades étourdissantes. C'est pas mal. On va essayer de le regarder un peu comment il est. Et ouais, c'est le costume de Stark. Pas mal du tout. Et ouais, je me disais que j'avais déjà vu. Et le costume de Stark, on le voyait justement dans Civil War, il me semble. Elle brille beaucoup quand même, hein. Allez, on se quitte ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. A plus dans le bus. Et à bientôt.